Un important incendie s'est déclaré lundi dernier sur le chemin à Villa à Piémont. Le feu a ravagé un bâtiment d'entreposage situé tout près d'une résidence. Une dizaine de bonbonnes de propane se trouvaient sur place, ce qui a quelque peu compliqué la tâche aux pompiers. L'équipe de sapeurs de Saint-Sauveur-Piémont a dû faire appel aux pompiers des municipalités voisines afin de les soutenir dans leur travail. Plusieurs automobilistes se sont arrêtés sur l'autoroute 15 Nord à la hauteur de Sainte-Anne-des-Lacs pour regarder l'incendie. La Sûreté du Québec est intervenue pour éviter des problèmes de circulation ainsi que d'éventuels accidents. Cet incendie n'a fait aucun blessé. On a un appel à 6 heures ce matin pour un début d'incendie dans un mur sur un commerce. À notre arrivée, on se trouve être sur une grange qui abrite plusieurs commerces pour de l'entreposage. Feu majeur, on a fait appel avec au service incendie de la MRC qui sont Sainte-Adèle, Mornites ainsi que Sainte-Anne-des-Lacs. On a environ 40 pompiers sur les lieux. Aucune propagation à d'autres bâtiments. On avait une problématique à propos du propane. On avait 200-400 litres de propane à protéger pour protéger des déflagrations.